Donc non, nous continuons. Toujours pour les élèves qui sont en formation musicale niveau 11. En page 3 de la partie répertoire de la planète FM. Donc là, on vous parle de mouvement sonore ascendant, ça veut dire qui monte, et de mouvement sonore descendant. Je fais juste une parenthèse pour bien vous expliquer que le son étant invisible, on se demande bien pourquoi on parle de mouvement sonore qui monte ou de mouvement sonore qui descend. C'est très simple, parce qu'en fait, le son a sa représentation visuelle dans la portée. Et la codification de la portée fait que lorsque le dessin monte, on va du grave vers l'aigu, et lorsque le dessin descend, on va de l'aigu vers le grave. Donc là, vous allez écrire une flèche. Attention, regardez bien, elles vont toujours dans le même sens. Qu'elles montent ou qu'elles descendent, elles vont toujours de la gauche vers la droite. Donc ne vous trompez pas. Donc lorsque les notes de musique vont du grave vers l'aigu, la flèche va monter, vous allez dessiner une flèche qui monte. Et lorsque c'est le contraire, vous faites une flèche qui descend. Alors, première case. Je vous le refais. Voilà. Deuxième case. Je remplis avec vous. Écoutez bien. Le suivant. On continue. Ensuite. Écoutez bien. Et enfin. Voilà, on passe au jeu suivant.